Zelda. C'est l'histoire d'un jeune gamin habillé en vert qui un jour part du village Kokiri pour aller dans la plaine. Il avait pour mission de sauver la princesse menacée par l'équivalent du prince des ténèbres. Armé de son épée et de son bouclier, prêt à affronter une armée de monstres et de guerriers. De son ocarina, il va tout purifier et ainsi le monde Hyrule pourra être sauvé. Chevauchant dans la plaine en direction du château, espérant pouvoir arrêter le chef des Gerudo avant qu'il ne s'empare du symbole sacré symbolisé divinement par trois triangles dorés. Je ne la connais pas, c'est vrai que c'est encore un scénario de manga de banlieusard. Mais non, écoute bonhomme, écoute bien cette histoire qui est une légende, c'est la légende de Zelda. La légende de Zelda, chevauchant les Highlands de cette terre si belle. Ses oreilles pointues au vent, il entend qu'on l'appelle. C'était déjà trop tard, Ganon avait gagné. Mais heureusement il n'avait gagné qu'à moitié. Zelda a pu s'enfuir, mais Ganon est resté, traversant la porte du temps pour s'y infiltrer. Il sema le chaos durant cette longue année. Et quand Link revint, il en fut sidéré. Il décida de demander de l'aide à cette sage, mais il était loin de se douter qu'il connaissait déjà Saria la Kokiri, qui est sa meilleure amie. Gardienne du temple de la forêt, c'est plutôt onirique. Mais quelle est cette histoire? Je ne la connais pas. Serait-ce encore un conte de fées pour fillettes attardées? Mais non, écoute bonhomme, écoute pas cette histoire qui est une légende, c'est la légende de Zelda. Les gens de Zelda, ouais. Affrontera l'incarnation du mal, Ganondorf le terrible, l'être au cœur de métal. Link l'achèvera à 2-3 coups de son épée, et les 7 sages enfermeront le malin dans un lieu sacré. Ganondorf s'est juré qu'un jour il sera vengé, mais Link veillera à ce que ça ne puisse arriver. Ainsi il repartit vers la province Termina pour y affronter le masque de Majora. Ne prenant que ses armes, à cheval sur Epona, le vaillant Link repartit vivre de nouvelles histoires. C'est la fin de ton histoire? Elle est où Midona? Est-ce que la suite est bien? Et c'est quoi Majora? Pourquoi cette histoire s'appelle Ocarina of Time? Est-ce que c'est le même Link à chaque nouveau Zelda? T'as oublié aussi de citer la moralité. De toute façon, cette histoire, c'est même pas la vérité. La légende de Zelda, c'est pas réalité. Mais si tu sais l'écouter, elle saura te guider. Elle t'emmènera sur la voie de la Triforce Sacrée, où les pouvoirs des déesses seront à tes côtés. La légende de Zelda, ouais, la légende de Zelda. C'est génial!